Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec YesStyle sur le thème After Party SOS Skincare. Donc je vais tout simplement vous montrer les produits skincare que je vais utiliser du soir au matin. Donc je vous retrouve à la sortie de la douche après avoir allumé une bougie cocooning et je vais tout simplement appliquer le premier produit qui est la crème Cica Care Sleeping Pack sur ma peau donc qui est propre et qui a été préalablement nettoyée dans la douche. Concernant les propriétés de cette crème, je l'ai appliquée le soir, donc après ma douche, comme je vous le disais, puisqu'il s'agit d'une crème de nuit qui est parfaite pour adoucir la peau. Elle contient un complexe réparateur de barrière qui protège et permet de se retrouver avec une peau plus lisse au réveil. Elle est également cruelty free, sans ingrédients d'origine animale, sans parfum, sans parabènes notamment, et également hypoallergénique et parfaite pour les peaux sensibles. Pour parfaire ma routine du soir, j'ai appliqué ce deuxième produit qui est une crème encore une fois de nuit, spécialement conçue pour la zone des yeux et le cou pour prévenir les signes de vieillissement et les rides. Donc c'est une crème Dr. Different Vitalift. Elle contient du rétinol qui est un ingrédient anti-âge avec de la vitamine A pour raffermir et améliorer la peau et la lifter. Donc elle encourage aussi la reproduction de collagène et à vrai dire, j'ai fêté mes 30 ans cette année. Autant vous dire que c'est le genre de produit que j'apprécie recevoir et que je suis contente de tester et d'appliquer sur ma peau tout simplement pour la protéger et lui permettre de rester le plus jeune possible, le plus longtemps possible. Donc pour appliquer cette crème, je tapote pour la faire pénétrer. Et comme vous le voyez, j'ai une peau ultra glowy avant d'aller me coucher, donc je retire mon petit bandeau forcément pour ma skincare. Et là, vous me retrouvez le lendemain matin, donc j'ai mon pyjama sur moi et je réapplique mon petit bandeau, puisque je vais commencer par me laver le visage, donc avec ce produit Estura, qui est un nettoyant mousse pour la peau. Donc il est idéal pour se laver le visage le matin. J'ai commencé par humidifier mon visage avec une petite serviette imbibée d'eau. Il convient pour les peaux acnéiques, il nettoie la peau en douceur, enlève les impuretés et le sébum qui obstrue les pores et il laisse la peau hydratée. J'ai préféré faire mousser le produit avec ma brosse nettoyante plutôt que le faire avec mes mains, tout simplement parce que c'est l'outil que j'utilise au quotidien pour me laver le visage et je trouvais que cette mousse lavante était vraiment très très agréable et a vraiment bien nettoyé mon visage en profondeur. Ensuite, j'ai essuyé mon visage avec ma petite serviette humidifiée pour enlever tout simplement le produit et laisser mon visage propre et le sécher. Ensuite, j'ai appliqué un sérum. Il s'agit d'un sérum exfoliant de la marque Haru Haru Wonder. Il est vegan ce sérum et il apporte une solution pour les points noirs, notamment sur les peaux sensibles. Il est cruelty free, très liquide aussi, vous le voyez, sans phtalate, sans parabènes, sans sulfate, sans parfum, etc. Donc c'est vraiment des produits qui sont bons pour la peau. Il réduit visiblement les pores et il convient à toutes les peaux, même les peaux les plus sensibles. Ensuite, j'ai appliqué un masque pour le visage, donc il était préconisé de se laver le visage et d'appliquer un sérum avant, donc c'est ce que j'ai fait juste avant. Et ce masque-ci, il est en papier et il est à l'eau de rose de Provence. Il permet une hydratation longue et un rajeunissement de la peau. Il améliore aussi efficacement l'élasticité de la peau et réduit l'apparence des rides. Il faut le laisser agir 15-20 minutes. J'ai vérifié la notice parce que je trouvais qu'il me brûlait et piquait un petit peu au début, mais finalement c'était passé juste après. Ensuite, une fois les 15-20 minutes passées, tout simplement, j'enlève le masque et je masse l'excédent de produit sur mon visage pour une meilleure absorption. Donc ce masque redéfinit la texture de la peau et enlève les cellules de peau morte. Enfin, après avoir massé mon visage avec l'excédent du produit qui était contenu dans le masque, j'applique le dernier produit. Il s'agit d'une crème calmante de la marque Claire's. Cette crème calmante est teintée de bleu. Elle contient de la camomille qui permet d'adoucir la peau sèche et les inflammations. Elle permet également de régénérer les cellules et guérit les irritations et les rougeurs. Donc c'est parfait pour moi qui ai une peau sensible notamment et assez sèche aussi. Elle est cruelty free, elle convient pour les peaux, donc comme je vous le disais, sensible. Elle est sans parabènes, sans alcool, sans parfum et sans colorant. Et autant vous dire que depuis que j'ai testé cette routine, je l'applique soir et matin maintenant parce que j'ai adoré l'effet que ça a rendu sur ma peau au final.
Je vous montre d'ailleurs des close-ups de ma peau parce qu'elle était vraiment lumineuse et très hydratée. J'ai vraiment adoré ces produits et je remercie bien évidemment YesStyle d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. J'espère de votre côté qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne aussi. Et moi, je vais pouvoir du coup commencer ma journée en me brossant les cheveux et en retirant mon peignoir, en me préparant. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !